إذ ماثي سمتين وينقاد عندي توالين. السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسوان الثزرات المغاربية تديان تبوسكي دنوغال فوالي دينا مس عبد الرحمن راويا وقيد دانغلاف التدريم تنال مينيستر دي فينانس أولا جي أين يعني الدعم يعني لا سوبونسيون نخيران يسوفاري استخدام الجزائري يسوفاري جي تزرام إلا الدعم دي ليسونس دي السكوار دي أغروم ويناد باللي السياسية جيزم الحل وتكمل راه يعني خلال القرارات هذه دين دي زوج الاف وتسعتاش وجيزم راه دياوي المضرة الضيق اي امذان الجزائريين وسيرتو خدام يعني الطاس يعني اي تعاونين دي 28 نس ان كلس ادنوغال افوالا كي ادنوغال مكيزم الحال يعني لو كانت تحبس لا سوبونسيون كي نغ المعاونه كي شو المضره ازمر الدوي يوكذو الجزائري ود نهضر سومثا في الحاله انت ذهب سانت مورث للجزائر الفرح مقارنة ذي ليني كي نغ ساكي ان بقيو ان الحرمه مس حميد شعلا ذا مسناو ذي تمسا ان ايكونوميست إلى أن أكيد نغذي في الاستوديو سي حميد السلام عليكم أزول في الله مرحبا سي سي حميد هذه اللي كيد نغذي غني مثلا عبد الوهاب زعترين دا سلماذ ذي سداويث أن بروفيسور اليونيفرسيتي نو كونستانتين سي الجهان قسنطينة هذه اللي كيد نغذي وهذه اللي كيد نغذي مس محر زبويش بروفيسور اليونيفرسيتي دا سلماذ سداويث نفقايث ولاد انت قداش زرفان بومدان أغدي في ثمولي نس أم خيري سوالي الحالة نغ القرار أقيل وكان ذي لي في يعني ذي ثمور سورتو لمعاونا أم خيري دقارا نيجيريا واتاس واتاس يعني إحواج المعاونة يجي باش يعني قد قبل انت سواح ينبض أرغورس مقبل أدن نبدو ثدويلتنا نحكينا أدن سلي ووال إدينا مس عبد الرحمن راويا وكي يمكن الدنيا غدا نغلاف التدريب في المينيس دي فينونس اين يعني يعني لا سوبونسيون كي المعاونه ياكي يكزمر اتحبس وين يعني داغن ذا شي ضرون في ثمسا نغ المارشي باراليل ما نزمر ادني نيا ولا كان وحد نسلكن يمس عبد الرحمن راويا ودنو غلارغور Subvention, la politique sera révisée prochainement, Monsieur Raouya, sur les problématiques de l'État. Oui. Est-ce que c'est le grand chantier auquel il faut s'attaquer aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Ça, c'est clair que ça ne peut pas continuer comme ça. Pour une simple équité un peu sociale, il n'est pas normal qu'un petit citoyen puisse ne pas, entre guillemets, parfois, profiter un peu de la subvention par rapport à quelqu'un qui perçoit un salaire beaucoup plus important ou dispose d'un revenu beaucoup plus important. Ça, ce n'est pas normal. Dans les petites études qu'on est en train de faire au niveau un peu du ministère des Finances... Vous êtes en train d'y travailler. Bien évidemment. Nous retrouvons, par exemple, au niveau de la décile inférieure, c'est-à-dire les ménages qui ont le plus bas revenu, à peu près profitent de certains produits subventionnés, tels que les produits de base, hein, je parle du sucre, de la farine, de l'huile, du blé, etc., de à peu près 7% uniquement de la subvention. Alors que la décile supérieure, qui est la plus importante, a le double de ce pourcentage. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas... et il faudrait y remédier. Bon, ce n'est pas comment facile. Comment y remédier? Vous êtes alors, en train voilà. de travailler ce Il y a pas, une commission, bien sûr, de façon effective. Effectivement, c'est une commission qui est sur place et qui travaille, nous le disons, nous travaillons aussi avec un peu la Banque mondiale sur ce sujet-là. Mais en tout état de cause, rien ne sera fait tant qu'on ne disposera pas de l'ensemble un peu des paramètres pour la mise en place. Nous ne toucherons pas un peu cette politique de subvention tant qu'on n'aura pas réglé définitivement un peu donc l'identification des ménages et le montant et comment procéder. Cela va se faire bien évidemment avec l'ensemble des pouvoirs publics. Nous allons, quand nous aurons terminé un peu nos études, nous devrions bien évidemment être autour d'une table, rediscuter et par la suite, bien sûr, une grande campagne de communication qui sera dirigée vers nos citoyens pour leur expliquer comment on doit y procéder et comment on doit y faire. Un débat national avant d'engager la suppression des subventions. 2019, 2020, 2022 ? J'espère 2019. À partir de 2019, 10 ans. Vous allez commencer à lever certaines subventions ? C'est possible, si on est bien évidemment pris à le faire. Sur quels produits essentiellement ? Certainement, le carburant. C'est possible que ce soit l'énergie. Le carburant, l'électricité. C'est possible que ce soit l'énergie parce que c'est le plus gros. L'eau également ? Peut-être, mais y arriver après.
وكذا ذا والدينا مس عبد الرحمن راوية وكذا نغلف أنت من المينز دي فينانسي اللي عنان تسرثيت المعاونة يعني لا بوليتيك دي لا سوبونسيون وكي تصل شغال يكتلين المعاونة ديك السن يهضر لدى فمانة في ليسونس يزمى الحال يعني فغرو وتسرثيت هاكي سيت بوليتيك يزمى الحال أتبدل أنا ولي غادي نسيد نفهم ذا شو المعنى بوالاكي يعني اون تيرم ديكونومي ذا في سيد جهان يظن في خدامة زيري كريت هذه يعيش الحالة يجي لو كان يعني أتفوك لا بوليتيكا كي دو سوبونسي بس حميد شعلي هادو غنغرغرك حسب ما ينك ذيك النظام سيدنا شو دينا المينيس دي فينونس يعني انا غلاف التدريب انت مرسل الجزائر عبد الرحمن راوية انت خاصه كان الذي قرب لي يعني اذي لين خلال مشاورات وكذا وكذا qui sont concernés, يعني سل شغال هكيل لا سوسيتي سيفيل لي سانديكا يعني ولكن راه نتوالي باللي الحاله مثل هذيك تاذا مسان تمورث الجزائر وزميره راه تكمل ذي يعني تسرثيث المعاونه. شرفتي هذا مسلي عصر وميث au fait en réalité la politique de subvention c'est pas une bonne politique en fait la politique de subvention est mise en place généralement pour aider les ménages les plus faibles. Le problème, c'est que quand on fait une politique de subvention telle qu'elle est mise en place en Algérie, c'est tout le monde qui en bénéficie. Alors, c'est beaucoup... Ils ont bénéficié parce que c'est tout le monde qui va l'acheter. Donc, c'est tout le monde qui en profite. Et là, moi, je trouve... Et comment on peut définir أدنف يعني خلال السيستم باش نتعاون كان وقد يحوج. J'allais en venir. Au fait, le meilleur système, c'est. D'abord, il faut regarder. Chez nous, le gros problème, c'est la pyramide des salaires. Nous avons. C'est pas normal qu'un président touche 30 à 35 fois le SMIC. C'est inimaginable dans une économie normale. Il faut d'abord commencer par. Regarder la pyramide des salaires. Baisser les grands salaires, ramener, faire vraiment travailler sur les salaires pour qu'ils soient économiquement fiables. Remonter les bas salaires et la subvention, on peut la faire sous forme de prestations sociales. C'est-à-dire, au lieu de donner, de baisser les prix, je donnerai aux nécessiteux une prestation sociale pour qu'ils puissent se prendre en charge et qu'ils ne subissent pas de plein fouet la hausse des prix. La suppression de la subvention. Donc, c'est le meilleur moyen. Mais après, bon, pour mettre en place ça, ça nécessite quand même des études, du travail pour repérer l'ensemble des ménages qui n'ont pas les moyens donc, de subvenir à leurs besoins. Comment repérer même si je suis en train de les recenser, je suis en train de faire des Au fait, les impôts chez nous, c'est des impôts directs. C'est-à-dire les impôts sur le revenu, on sait qu'ils touchent peu. Parce qu'au fait, au niveau du central des impôts de toute l'Algérie, comme l'impôt est direct, c'est-à-dire au fait, l'impôt sur le revenu est direct, on sait qui est nécessité. Sur la base des impôts, on sait déjà. Donc, c'est par rapport à ça, donc on va créer un système social qui va permettre à ces gens-là qui ne peuvent pas donc, subvenir à leurs besoins avec leur SMIC, et ceux qui n'ont pas de SMIC, les minima sociaux, on doit augmenter les minima sociaux et créer donc un centre pour pouvoir aider et verser des prestations sociales supplémentaires. Et on supprime complètement la subvention. Donc, si tu veux, on va faire beaucoup d'économies. Pourquoi ? Parce que les gens riches, ils vont payer le produit normalement, au prix sans subvention. Donc, au fait, l'État va, comme ça, peut faire des économies. Les produits qui ne seront plus subventionnés, ils seront payés à leur taux normal, à leur prix normal. Et notre problème, c'est qu'on ne produit pas. Tout vient de l'exportation. Donc, sera de l'importation. On produit des moules, ça va, on peut toujours juguler. Mais là, on ne peut rien juguler. On ramène un produit à 10 euros, il faut le vendre à 10 euros. Celui qui ne peut pas l'acheter, on va lui donner le complément pour qu'il puisse l'acheter. C'est-à-dire, en fait, les nécessiteux, les gens donc, qui ont un bas salaire, etc., on crée une prestation sociale pour qu'ils puissent prendre en charge sa vie. Les autres, ils payent parce qu'ils ont les moyens.
On n'a pas besoin de subventionner ces produits. Mmh. À mon avis, c'est la meilleure façon d'arriver à supprimer la subvention. De toute façon, les subventions n'ont jamais apporté des solutions à un pays. Et encore, on va avoir un problème plus grave parce qu'on a une démographie galopante, les prix du pétrole qui chutent. Donc, on va se retrouver, ces problèmes-là, s'ils ne sont pas réglés dès à présent, si on ne commence pas à y réfléchir, si tout là, de plus en plus, ces problèmes vont prendre une ampleur, mais alors inimaginable. C'est tout là qu'il faut commencer à trouver des solutions fiables, pas des solutions de colmatage à ma carte de bête. Parce que tout là, ils colmatent, ils sont en train de colmater et ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'études sérieuses jusqu'à présent. Bon, maintenant, ils parlent de Banque mondiale, peut-être bien que la Banque mondiale va travailler, va sortir des rapports fiables. Nous avons des spécialistes, simplement, ils ne font pas appel à eux parce qu'ils n'ont pas confiance. Très bien. دنوغال نسعك نرى عبد الوهاب زعتري سيخ سنطينا سي عبد الوهاب السلام عليكم أزول في الله وعليكم السلام ورحمة الله أزول في الله أعطيك الصحة سي عبد الوهاب سي السكايب سي عبد الوهاب يعني هذا لابوليتيك دو لا سيبونسيون المينيستر يعني دي فينونس لمح وقال باللي ممكن هذا لابوليتيك تحبس يعني الفوتروفي دوتر ميكانيزم وإسا pourrait créer beaucoup de problèmes, surtout au niveau du pouvoir d'achat des Algériens qui n'ont pas les moyens. Oui, effectivement, mais le problème il s'est déjà posé dans les années 90. Quand nous avions eu une crise économique qui m'a dit, le pays était dans les mêmes circonstances. On avait basé notre économie sur les hydrocarbures, la vente des hydrocarbures, et on ne produisait pas grand-chose. Nous sommes dans la même situation, et c'est à cause de ce genre de ministres exact, et de leurs conseillers qui depuis maintenant, un quart de siècle, ils n'ont pas su trouver la solution. Ils viennent nous raconter la même histoire que les années 90, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation, parce qu'ils sont incompétents, ils ont mal géré le pays, donc ils savent qu'ils vont aller vers la Banque mondiale, parce que, problème, 85 milliards de dollars, c'est les réserves de change. Toute l'économie, elle est construite autour de ces réserves de change. Ils sont en train de les compter jour après jour. Donc, c'est un échec total. Ces réserves s'amenuisent. Ils étaient, il y a quelques années, de 3 ans, ils étaient autour de 200 milliards de dollars. Déjà, ils sont à 85 milliards de dollars. C'est le vrai problème. Donc, ils savent qu'un jour ou l'autre, ils vont aller demander de l'emprunt de l'FMI ou la Banque mondiale. Donc, ils le savent. D'ailleurs, ils sont déjà leurs conseillers aujourd'hui. Donc, ils le savent. Ils vous disent, restructurez vos entreprises. Faites fonctionner de façon optimale vos entreprises. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut produire. Il faut produire de façon intelligente. Et de façon économique, donc restructurer les entreprises, ça veut dire faire vraiment de l'économie, donc le surplus avec le personnel, il faut le mettre dehors, il faut favoriser l'intelligence, la production, la productivité, pour créer des richesses, il faut que les entreprises puissent produire des richesses, c'est la seule façon de relever un pays d'une économie désastreuse qui m'a dit. Or, le FMI, bien sûr, il va leur dire restructurez vos entreprises et puis, les subventions parce qu'elles déséquilibrent les budgets ou elles vont vers des. C'est pas ciblé. Ceux qui nous gèrent, ceux qui, chaque fois, ils sortent, ils nous disent qu'ils ont trouvé la solution. Le problème, c'est là. Parce que dans tous les pays du monde, si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas construire une économie saine et vous ne pouvez pas distribuer les richesses convenablement. C'est le problème. Très bien. Yani, c'est Abdou Hab, si nous, on ne produit rien, quand il y a des... Même la Caisse nationale des retraites, elle est en difficulté. Yani, les retraités n'ont pas été payés plus, ça fait 2 mois. C'est une situation qui est très fragile, si on peut dire, économiquement. Si nous, on ne produit rien, si la situation, elle continue, ou cette dame, là où il y a les subventions, ils peuvent s'arrêter
Oui, oui, il a parlé clairement. Il a dit qu'il y a des négociations et tout ça. Mais il a dit que cette politique, elle peut s'arrêter, elle doit s'arrêter. C'est des solutions qui sont importantes pour la survie de notre économie. Comment tu penses, Yanni, le citoyen va faire face à ces difficultés? Le citoyen n'a pas le choix, il est victime. Les vrais responsables de l'échec sont ceux qui nous gouvernent encore, c'est-à-dire nous ont menés depuis déjà un quart de siècle vers l'échec économique, où nous avons les mêmes problèmes. Nous n'avons pas construit une économie productive. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution. Il faut générer de la richesse via des entreprises économiques et de la petite et moyenne entreprise. Il faut assainir les grandes entreprises nationales. Il faut produire. Il n'y a pas de miracle. Si qui ne produit pas restera pauvre. Le chef, ils vont encaisser. Ça va être les grèves, ça va être les manifestations, ça va être les fuites à l'étranger, les boat people. Nous le vivons aujourd'hui. Nous avons déjà discuté dans les mêmes, peut-être avec vous aussi, Khenassar. Les gens ne cherchent pas les vraies solutions. À des vrais problèmes, ils sont en train de chercher de fausses solutions, de se cacher derrière leurs doigts. Très bien. Gouad Ma'ana, si Abdel Wahab. Gouad Ma'ana, restez avec nous, je reviendrai à vous. Mahrez Bouchi, Gilani Kidna, Sif Gayet. Mahrez Bouchi, Aslama, Yannick, Azul Flakaïm. أزول لك أن صار الزمن قرن وليدي تبع المغاربية في السنة أزول الزمن قرن اللي زين بيتين بقليك وبن سكوليون في اسمه. يعطيك صحة مس محرز. يعني سلي ضش ودي نجم مثلا عبد الوهاب زعتريس يوم نو أن برودوي با سي يعني أن تروف با لي سوليسيون كي سون أديكوات على سيتواسيون تعيش في جزء الجزائر. يعني أندران الحو نغندارث الحو ثدم سنة مرت الجزائر. أم حرز منظر خلال القرارات في هذا في اللسن ماس يعني عبد الرحمن روية وكذا ذا نغلاف التذريم في المينيس دي فينونس يناد باللي سياسة الدعم يعني تسرسي تقل معاونة دي سيفونسيون يزمى الحالة تحبس برس كقل نغذي ون الوقت ماشي دي الوقت سهل يعني عندنا هذا الدرس وتو في لا سيتواسيون ايكونومي encore une deuxième fois زول ذا مقرن في الأول dommage n'ai pas écouté l'intervention de mon ami docteur Zaitri, certainement ce qu'il dit est très intéressant. Ça, c'est en aucun, c'est-à-dire, j'ai pas pratiquement un doute par rapport à ça. Écoute, Nassar, en Algérie, je pense que depuis 1962, toutes les sans pour autant aggraver la situation, parce que la situation, elle est, sur le plan économique, elle est très très grave. Et il y a bien évidemment du replâtrage. Depuis 1962 à nos jours, on n'a pas pu construire une économie productive pour plusieurs raisons. Ce n'est pas moi qui le dit, mais vous avez dit Mousnaouen, Demsa, Idiqaron, même Idrimen, Idiqaron, Bendi, la dépendance. L'Algérie, au hydrocarbure, a posé réellement un véritable problème. Au point, Anidaï Mousnaouen, Karon, malheureusement, le premier frein. Le développement économique et la mise en place d'une économie moderne au sens réel du terme, c'est-à-dire une économie productive, une économie moderne, une économie sociale, une économie qui est basée sur, bien sûr, les critères de visibilité, de transparence, de gestion moderne, l'intégration de la question marketing, management, la question, par exemple, de la plus-value, la question de la prise en charge des travailleurs, la question de la responsabilité sociale. C'est des éléments, malheureusement, qui gênent l'économie nationale. Elle n'est pas développée. Les hydrocarbures Nassar, malheureusement, c'est une solution pour le développement des méga-projets. Malheureusement, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que l'argent du pétrole, il a été utilisé au détriment du développement d'une économie moderne. La deuxième des choses, il faut savoir aussi une chose, que toutes les lois qui mouvent depuis la constitution de 1989 à nos jours, c'est des lois qui changent à chaque fois. Le docteur Zaitri, certainement, il va être complètement d'accord avec moi sur la question de la visibilité. Aujourd'hui, les investisseurs, ils investissent leur argent pour la création des projets, des PME, des petites entreprises. La question, par exemple, de développement économique, etc. La visibilité en Algérie, les hommes d'affaires
les investisseurs soient dit qu'il n'y a pas de visibilité parce qu'il lâche la stabilité en termes de loi. Chaque jour, il y a une nouvelle loi, ce qui fait ça a créé un climat de déstabilisation. Rajoutons à ça ce qu'on appelle réellement en économie les contraintes politiques. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une économie moderne, il a quand même autour des visions politiques restreintes. Aujourd'hui, la question économique, l'économie en Algérie, elle est utilisée par des lobbies, par des hommes d'influence, par le gouvernement, pour des raisons politiques, ce qui a donné malheureusement une économie très très fragile. Et je rejoins, si mon ami Zahitri l'a dit, la question de la productivité. La question de la productivité, elle passe par trois éléments. À part la loi, bien sûr, c'est clair, ça c'est un élément, on ne le discute pas en Europe. Les textes de loi, le respect des lois, c'est clair. Mais ça doit commencer par la question de la transparence. Ça commence par une gestion financière assez moderne, de financement, la question des banques, etc. Mais aussi, elle démarre sur la question de la mise en place des mécanismes réels pour mettre fin à ce qu'on appelle l'économie formelle, à ce qu'on appelle le trabando, à ce qu'on appelle le marché noir, à ce qu'on appelle, par exemple, l'économie de bazar. Très bien. Mahir Zegma, يعني في نقطة قد هضرت في الناس يعني ليكونومي دو لو مارشي بارال ليكونومي دو بازار ليكونومي دو ترابندو ادنو غال باسكو كان يعني تسلل شو دينا ينفقيونا حميد وكذا عبد الوهاب زعتري تسلل شو دينا المينيستر انا غلاف عبد الرحمن راوية افثم سل ثاقي انا حد نسل شو دينا مس عبد الرحمن راوية وادنو غالارور L'évasion fiscale, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement s'attaque aux ramifications de la corruption? Certains considèrent qu'une niche de blanchiment, c'est l'immobilier, mais pas seulement, c'est le marché informel de la devise. Est-ce que l'État compte lutter contre ce marché informel de la devise aujourd'hui? Monsieur Raouya. Bon, c'est un peu le marché de l'informel, enfin, en général, hein, je le prends comme ça, qu'il soit celui de la devise ou qu'il soit autre. Il y a bien évidemment, je l'ai toujours dit, donc un peu une politique de la carotte et du bâton. Il y a des mesures qu'on peut prendre en charge pour pouvoir faire admettre un peu à ce citoyen algérien que ce n'est pas la meilleure des voies à suivre. Et il y a de l'autre côté donc un peu des règles strictes pour pouvoir un peu lutter contre un peu ce phénomène, surtout au niveau un peu de cette au niveau de disons des devises. Effectivement, vous avez vu que la Banque d'Algérie a pris une instruction dernièrement, et effectivement nos banquiers donc de la place publique sont en train un peu de mettre en place l'ensemble un peu de ces dispositifs pour bien évidemment réguler un peu toute cette masse d'argent. Alors monsieur Abdelrahman, وكذا هو المس عبد الرحمن راويه ادو غالغرغورك ام حرزاق ما سيضا شو دينا يعني بارابور او مارشي دو لانفورميل ولا باراليل انت على كل حال كيستيون ايتي بوزي بارابور على الدوفيز ولكن المينيس يهضر يعني اون جينيرال بارابور او مارشي باراليل ان ابروندر او سيتويان الجيريان الوغ كون سي تري بيان لو مارشي باراليل سي با سيتويان الجيريان سورتو سي اون بارل دو لا دوفيز. Je pense que tous les ministres ont prononcé le même discours, c'est clair. Lui, il est chargé du portefeuille finance du gouvernement. C'est clair, on ne peut pas s'attendre justement à notre discours. Parce que le problème aujourd'hui du marché informel, oui, c'est des niveaux. Il y a ceux qui ramènent des conteneurs, il y a ceux qui ramènent des bateaux, il y a ceux qui ramènent des cabasses. Ça, c'est clair, mais... Les niveaux aînés sont très importants et on doit les prendre en considération dans la possibilité de mettre fin justement à ça. Mais qui en profite de ce marché informel, à qui le provoque? Celui qui le provoque, certainement, c'est les grands barons, c'est les grands patrons. Et si vous vous rappelez très très bien qu'auparavant, le président de la République, le chef de l'État, en 1899, il a fait la fameuse déclaration d'économie de bazar, mais qui a provoqué l'économie de bazar. Et ceux qui ont provoqué l'économie de bazar,
c'est les lobbies, ce n'est pas les simples citoyens. Oui, les simples citoyens, on les trouve effectivement parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de PME, il n'y a pas de moyens de formation, il n'y a pas d'investissement, etc. C'est tout à fait clair. Mais qui en profite justement de ces citoyens. C'est les grands barons qui ramènent des conteneurs et des bateaux depuis 1989. Ça n'a jamais cessé à nos jours. Donc aujourd'hui, mettre fin à le marché informel, à mettre la devise, à mettre ceux qui ramènent des marchandises. On a parlé tout à l'heure de l'économie productive. Ça, c'est une loi au niveau de l'économie. C'est que certainement l'importation, elle détruit l'économie productive. En particulier, c'est l'importation n'est pas gérée selon une base juridique, une base économique moderne et claire. Donc, ce qu'ils font, ils ramènent tout de l'extérieur et ils mettent, bien sûr, à genoux toutes les entreprises et toute l'économie productive. Donc, ça, c'est tout à fait clair et net. Donc, ceux qui en profitent aujourd'hui de la situation, c'est ceux qui ont fait une situation après 1989, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont fait du blanchiment d'argent, bien sûr, ces dernières années. Et où est-ce que je devais ça? Parce que la corruption s'est généralisée. C'est généralisé dans le sens où il n'y a pas de contrôle. Et je vais un exemple très simple. La question de la traçabilité de l'argent. Personne ne parle aujourd'hui de la traçabilité de l'argent. Tu peux devenir un homme d'affaires d'une journée à une autre. Ça se passe que dans certains pays dont tu faisais partie de l'Algérie. Donc il y a une personne, on ne le connaît pas. Deux jours, trois jours après, il peut devenir un milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une fuite fiscale, parce qu'il y a un détournement d'argent, il n'y a pas de traçabilité, bien sûr, de l'argent. Donc, ce qui est fait, ça crée des lobbies. Bien sûr, ces lobbies-là, ils sont en train de faire leur loi. Et on a connu des événements énormes, soit concernant la pénurie des produits, que ce soit le contrôle généralisé de ces patrons et ce lobby sur l'économie nationale. Très bien. Qu'est-ce que nous avons fait avec Mme Hrzagmadou? Mme Hrzagmadou, c'est la chose que nous avons fait. Il y a une économie fragile. Il y a une économie fragile. ماشي للحالة إقلهاني تلا ذي قيس نهضرت يعني وقي سي دو دي إناد بلي سي دي كونترانت بوليتيك ولاش لا ترونسبارونس إن كوربسيون جينيراليزي يعني نهضر في الهلاك وزميرا لا تنداوي من زميرا دنيني سلاسبيرين ناقص يعني سل دولي باران فات بور دير ريالمون لي شوز اون با ديكونومي سي سي با كي اون با ديكونومي. On ne produit rien. On produit quelques trucs par l'État. C'est-à-dire que nous avons des entreprises étatiques qui produisent à des coûts excessifs parce qu'il y a une capgie de il y a énormément de personnes dans les entreprises. Ils ne sont pas gérées d'une manière économique. Mmh. Elles sont gérées de manière sociale. C'est-à-dire en fait on donne des salaires, mais c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est que les gens pour avoir la paix. C'est un ahdi. Mmh. Mmh. On va dire qu'on a, mais en fait on a 30% de la population prête à travailler qui est en chômage en Algérie. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas d'économie. Si on veut véritablement changer les choses, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord réfléchir à une économie en fait, à long terme. Mm. Donc on doit regarder à long terme, à moyen terme et à court terme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses par exemple, pour ce qui est de l'économie parallèle, la seule façon de la combattre, c'est de changer la monnaie. Je change la monnaie. Quand tu ramènes, d'abord, il faut reprendre une chose avant de changer la monnaie, il faut moderniser les banques et permettre aux banques privées de s'installer. Quand on change la monnaie, tu dis je change la monnaie, tout le monde va ramener son argent à la banque. Ils n'ont pas le choix. Et là, on voit d'où vient l'argent. Parce que quelqu'un qui va te ramener 20 milliards, et tu lui poses la question, ainsi que de Ken, ça vient d'où? Et tant qu'on n'a pas... ils ne peuvent pas le faire parce que c'est eux. C'est eux qui détient ces sommes. Donc le ministre, on va apprendre aux citoyens algériens, le marché parallèle, mais c'est eux qui sont dans le marché parallèle. Bah, descends à Alger, au port, tu vas voir les gens qui changent. C'est pas le petit bonhomme là qui change. Il y a une mafia derrière. Le monsieur, il va échanger, mais ce n'est pas ça réellement la somme, la grosse somme de la fuite de capitaux, c'est les barons algériens qui sont en train de faire la fuite de capitaux. C'est-à-dire, dormir, c'est déjà, ouvrir une devise de en plus,
ceux qui gagnent là-bas avec les importations, le trop-plein, ils ne peuvent pas déclarer, parce qu'ils ont un trop-plein. Il va ramener un bateau de bananes et il va le vendre à 5 milliards, il va déclarer 2 milliards, il est à 3 milliards. Il faut qu'il trouve une solution. Il les injecte dans l'économie parallèle. Il essaie de les échanger, il achète des maisons, donc il va pour essayer d'éponger cet argent. C'est eux, véritablement, il faut, moi je suis d'avis d'une chose, c'est que d'abord de supprimer toutes les licences d'importation. C'est uniquement l'État qui doit importer. Il faut remettre à l'œuvre les grandes sociétés algériennes, c'est eux qui vont importer. C'est-à-dire la SEMPAC, tu vois, des sociétés qui vont cibler les produits de première nécessité. On donnera des licences d'importation uniquement aux entreprises qui ont besoin d'entrants, qui ont besoin d'input, qui ont besoin de matières premières pour faire marcher leur usine. C'est la seule façon d'arriver peut-être à relancer un peu l'économie. Mais il faut toujours réfléchir à long terme, court, moyen et long terme. Des Guinéens qui sont en train de colmater, ils colmatent les brèches au fur et à mesure qu'il y a, qu'il y a un problème. On injecte de l'argent pour calmer, pour qu'il n'y ait pas de soulèvements sociaux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à régler les problèmes. Il faut avoir une politique à long terme. Et pas seul, ils ne peuvent pas seuls réfléchir à une politique à long terme. Il faudrait que l'ensemble des opérateurs de l'Algérie, des politiques, discutent et décident d'une politique à long terme. Très bien. Sir Abdelouhab, سمعت واش قال حميد شحلال كنت اوني دون يعني لا بوليتيك دو كولماتاج اي اون انجيكت دو لارجون بور ايفيتي يعني لي موفمون سوسيو يعني اون ا بارلي بوكو هضرنا بزاف على يعني لا بوليتيك تاع سي اون بو دير لا بلونش ابيي كي بو اتر ان تري غون ريسك سور لانفلاسيون يعني le pouvoir d'achat, l'inflation. Est-ce qu'on est, il y a toujours ce risque aussi de qu'il y ait les mouvements sociaux parce que l'Algérien, il arrivera à une situation, il ne pourra plus faire face avec les prix qui vont augmenter. Je veux dire, c'est vrai que c'est vrai. Exactement, je suis vraiment d'accord avec Ahmed 100%. C'est les mêmes bases d'analyse conduisent au même résultat, au même raisonnement. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le ministre ou les conseillers, franchement. Parce que tous ceux qui partent d'une analyse un tant soit peu logique, ils arrivent au même résultat, aux mêmes conclusions, comme nous, nos invités, le manifestent très clairement. Première règle, c'est de produire. Ceux qui ne produisent pas vivront des crises. Où l'Europe, les subventions, par exemple, pour les pays, les main-d'œuvre mono-économiques, qui sont vraiment des vrais pays générateurs de richesses, comment ils soutiennent les prix? Comment ils soutiennent les prix? Parce que y a, ceux qui travaillent, ceux qui produisent, on en prend une fraction et on la redistribue les chômeurs. Quand on parle de crise chez eux, lorsque les entreprises commencent à fermer, l'environnement n'est pas favorable, alors là, il y aura beaucoup plus de chômeurs et ceux qui travaillent ne peuvent pas compenser ceux qui ne travaillent pas, les chômeurs. C'est-à-dire, il y a la crise, donc il y a un équilibre. Si on ne produit pas, on ne peut rien faire ni soutenir ce... Donc, la crise est grave. Mais il est vrai. Ils ont... Au lieu de réfléchir comme nos invités le demandent, de réfléchir à une stratégie de développement à différentes étapes, à court terme, à moyen terme, à long terme, et de trouver les vraies solutions à une crise grave. Moi, je dis que chaque fois, il nous propose qu'on va faire l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, l'idée de c'était de ramener les devises qui sont ou l'argent qui est dans le marché noir, dans les banques. Mais j'ai un mot à l'eau, parce qu'au lieu d'affronter, prendre le taureau par les cornes, d'aller lutter contre le marché noir en convertissant, par exemple, les devises, en imposant les fortunes qui ne vont pas vers les banques, mais qui vont dans l'immobilier, en encourageant les PME, les PME, en plaçant des vraies compétences et des vrais cerveaux dans les entreprises nationales pour leur permettre de s'adapter, en encourageant la productivité, l'emprunt obligatoire qui n'a rien donné. Mais ils ont fouillé les vraies solutions. La production, au lieu
d'encourager la production et la fabrication, donc catastrophe. Il voulait réduire les importations. Réduire les importations, ça a freiné toute l'économie, ça n'a fait qu'augmenter les prix, encourager encore le marché noir. Le dernier point dont vous parlez, c'est le financement non conventionnel. Le financement non conventionnel, ça ne peut servir que les pays producteurs de richesses, mais qui sont en crise transitoire dans des conditions difficiles. Le financement conventionnel leur permettra de s'adapter, mais il ne faut pas arriver, ce n'est pas la solution. Blex, dans les pays qui ne produisent pas, ils aident l'inflation, je vais attirer votre attention sur quelque chose de plus grave. On devait produire quelque chose comme l'équivalent de 10 milliards de dollars. Ils en ont fait 30 milliards de dollars. Alors pourquoi 30 milliards de dollars? C'est pour permettre les oligarches, finalement c'est les kleptos, les soi-disant les chefs d'entreprise, c'est qui n'en sont pas de vrais chefs d'entreprise, de leur permettre d'absorber les devises du marché noir. Parce que dans le cas, les devises, les banques, c'est limité, les réserves de change, c'est limité à 85 milliards de dollars et ça reste pour les choses urgentes. Baki ou nécessaire. Baki Dorka, ils mettent le dinar sous forme de papier pour absorber les devises qui sont dans le marché noir. Vous êtes de Harbon. Donc nous allons chaque fois dans de fausses solutions à de graves problèmes. Ou bien sûr, là, le problème au Rahikoun, il va en avoir marre, il va souffrir et il y aura des manifestations au Kulchi. Mais au moins, ils ont pour ça une armée, une police, elle est très fournie. Hein, l'armement, Drahna, au lieu d'investir Drahna, donc. Dans des entreprises efficaces au Koul, et ils ont investi l'armement, la police pour nous mater. Une dernière chose qui me semble très très importante. La démarche Sahm, comme ils ont été incompétents à résoudre le problème, ils mal intentionnés, mais je dirais incompétents. Ils vont vers l'emprunt de la Banque mondiale, elle a dit qu'il l'invite à discuter même, ou à voir comment redistribuer les richesses, ou même ils vont aller vers le gaz de schiste. C'est ça où ils vont. C'est la seule solution qu'ils ont. Donc, ils vont hypothéquer le sous-sol algérien de force, parce qu'ils n'ont pas les choix économiques, ils les ont ratés. Ils vont nous forcer à continuer sur le taux hydrocarbure, le gaz de schiste. Très bien. Wassalam. طربي محرز بوش هادو غلغ الغورك محرز يعني عبد الوهاب يهضر في لي فوس سوليسيون ادو غراف بروبليم الحلايت الذي استخدم سال الجزائر ماشي الحلايت صراحه وكيوك يعني ايموسنا وناثي دقارن وكونوا اثي دقار مدان داكي ساكيدي ثاد ولت بوساكي ولكن يعني الجزائر لا في لا سولي لا في لي سوليسيون لا في لا بوسيبيليتي ثلاثه يون الوقت عندها نبوض يعني اون انفيستي برسك 1000 مليار دو دولار دي ثغيريا كي دي 15 20 سنه قعدان عندك بوض لو بترول لو بري دو باريل دو بترول 120 دولار ولكن نخدم راه مقارن لا ديفيرسيفيكاسيون دو ليكونومي اون ريان في اذا الوقت كي اون ايسي دو تروفي دي سوليسيون مي سي امبوسيبل لو مال لي تري بروفون وي تو تافي سي كلير سي برومي مينيستر لوي ميم اي لا برونونسي le mal est quand il est profond et pareil de Osama il est jahim qui explique je connais Osama le jahim. Bien évidemment je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de mon ami Daïtri. Effectivement c'est clair il y a de mauvaises solutions pour des problèmes énormes, c'est clair. Le danger c'est si la situation est أردنا هالضر يعني سي 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 تام فري دونجي بور ليكونومي الجيريان اي اوسي بور لا كويزيون سوسيال لو كان الحاله غير تكمل ماشي الحاله عند اكدو الجزائري دي لي ترونكيل ف سورتو بارابور ا سون ادنا هضره في سون بوفوار داشا ف يعني ثم عيشتي نس كل ناس وي بيان سور نصر نايك دي دي لا ديفيرسيفيكاسيون ايكونوميك لا بيزوان دي d'une vision stratégique à court terme, au moyen terme et à long terme. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui a posé problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas de visibilité. Lorsque je parle de la visibilité, ça veut dire qu'il y a des stratégies éphémères. Donc, à dire un premier ministre, il met en place un plan de travail. À dire un autre, il le remet en cause. Et il n'y a pas de continuité
dans la stratégie de développement économique et la diversification économique. Rajoutons à ça un élément assez important sur la question des finances. L'Algérie vit un problème énorme par rapport aux finances. Les banques nazelles sont gérées par des méthodes traditionnelles et archaïques et le développement financier en Algérie dépend des critères que personnellement, je n'arrive pas à les identifier, ce qui a posé un problème justement au développement économique parmi les problèmes. Mais encore, bien sûr, pour répondre à ta question, Nassot, c'est clair, tu as le cas des souffrances situations des citoyens algériens, commençant par le chômage, commençant par, bien sûr, le pouvoir d'achat, les droits socio-économiques, ils sont étouffés. La société algérienne aujourd'hui, elle est étouffée parce qu'elle vit à la fois les séquelles d'une économie fragile et fragilisée. Donc, en disant, il y a des problèmes, le problème de logement, il demeure, le problème du chômage, il demeure, le problème de la santé, il demeure, bien sûr, le problème de la question, c'est-à-dire des prix, des salaires, etc. Et l'inflation, ça, c'est des éléments, et Guylaine, il s'agit de nous dire quotidiennement. Donc, ça, bien sûr, il est lié directement à la politique de replâtrage qui a été adoptée par les différents gouvernements. Choukara, aujourd'hui, ils peuvent dire le contraire. Nous, ils n'ont jamais adopté une stratégie dans la continuité. Forcément, une stratégie continue. Chaque personne, chaque premier ministre, chaque ministre du commerce, chaque ministre des finances, chaque ministre de l'économie, il a sa propre stratégie. Dès qu'il quitte le poste, on le fait quitter, on les mange, il ramène quelques autres, il ramène un projet différent du projet qui a été proposé par son prédécesseur. Donc ça c'est clair. Rajoutons à ça, Maïda Draf, les droits socio-économiques, ça c'est clair, le constat est clair. Lorsqu'on parle par exemple de 11 millions jusqu'à 14 millions qui sont nécessiteux et qui vivent pratiquement la majorité, ils vivent sous un, c'est-à-dire le seuil de la pauvreté, ils n'ont pas la possibilité et la capacité aussi de dépenser un dollar par jour. Qui explique effectivement que l'Algérie elle vit un retard énorme et flagrant par rapport à la question des droits socio-économiques. Et je vous ai cité le chômage aujourd'hui. Le chiffre qui a été donné dernièrement par le Premier ministre n'a aucune réalité. Aujourd'hui, la réalité, le chômage il peut atteindre. Je ne peux pas vous donner un pourcentage, mais selon les spécialistes, il peut atteindre jusqu'à 27%, 30%, plus normalement du monde, encore plus ces derniers mois, parce que ils ont adopté l'austérité. Et il y a plusieurs travailleurs, dans le cadre, par exemple, du filet social, et qui travaillent dans des situations, ce qu'on appelle travail précaire, on ne leur a pas renouvelé leur contrat, ceux qui travaillent dans le pré-emploi. Donc, ce qui fait les politiques économiques ont produit malheureusement directement le retard en termes de droits économiques et sociaux et la planche à billets n'a pas pour le moment donné des fruits. On l'a dit auparavant lorsqu'ils l'ont adopté, c'est une solution suicidaire parce que non seulement elle va provoquer l'inflation, mais cet argent de la planche à billets, ils vont l'utiliser. Contrairement à ce qu'ils ont dit dans les investissements, ils l'ont utilisé dans d'autres stratégies qu'on ne connaît pas directement. Donc, les milliards de dollars qu'ils ont fait dans le cadre de la planche à billets, il n'a pas été utilisé dans le cadre de l'investissement, ce qui fait effectivement aujourd'hui, ni les PME ni les PMI sont développés, ni des nouvelles formes de gestion économique n'ont été adoptées. Encore, rajoutons à ça comme dernier point, je pense, il me semble très, très important, parce qu'on parle de la formation. Aujourd'hui, toutes les entreprises, je le dis, ils sont rares à la Kouliha, les entreprises qui enregistrent un développement en matière de gestion, mais la gestion des entreprises, c'est des gestions archaïques. Il faut avoir le courage de le dire, parce que soit ils ne sont pas formés, soit ils sont inscrits dans une logique, bien sûr, de lobby. Et vous savez, c'est quoi le rôle de lobby? Le lobby, c'est l'influence. C'est-à-dire le gain facile, le détournement, le gain facile, etc. محرز طري رابيد موندي نعنيك فاكانت سلاغ رايك يعني دوكلنا حسين بويد ان ارتيكل وكي ذا وال المسويحيه ذي يعني ثيمليليث لونيو افريكان يناد باللي
يعني لي زيفور دو لالجيري بور لا لوت كونتر لا كوربسيون الى يهضر دف اول يعني يناد بلي الجزائر تخدم الواجبيس يعني بور كومباتر سوفليو ولكن كنتي تهضرت ناد بلي لا كوربسيون الي جينيراليزي ادوا غيدي وتسبت مقرث que on n'a pas pu construire une économie moderne. Oui, tout à fait. Je vais dire, Nassar, honnêtement, l'Algérie n'a pas besoin de discours. L'Algérie a besoin de stratégies réelles. La lutte contre la corruption, elle ne doit pas être, développée par des discours. Nous avons besoin aujourd'hui de mécanismes réels et techniques et de procédures juridiques et politiques et administratives qui mène bien sûr contre la corruption. Mais il y a chaque ministre qui parle un discours, la réalité elle est autre. Alors, lorsqu'on entend les détournements d'argent, les corruptions, le gré à gré, c'est de la surfacturation, etc., toutes les formes de corruption, aujourd'hui on n'a pas vu de stratégie réelle de lutte contre la corruption. C'est-à-dire, on cesse aujourd'hui en tant que gouvernement de lancer des discours démagogiques et il faut aller vers le fond qui en profite justement de cette corruption. Très bien. C'est une question très importante. Sahita Mherzeg, mais سمحنا ومازال رطسنا الوقت المرثيك. سي عبد الوهاب زعتري نرجعوا ليك يعني لو كان نسمعوا الكلام تاع هدى فرعون ولا حتى زوخلي يقول لك باللي حنا اون فو كونستروير اون فيل انتيليجونت. وسمعت محرز واش قال على يعني لي شوز كي سون توجور جيري دون مانيير اركايك اون الجيري يعني كومون كونستروير اون فيل انتيليجونت وحنا يعني يعني اون اريان دانتيليجون في السيستم تاعنا دوبيراسيون سيرتو لي ميكانيزم ايكونوميك يعني راني نهضر والله يعني يا مون افي شوف Il y a peut-être, fin mai, j'avais donné une conférence dans une université, les environs de Constantine, justement sur, par exemple, l'introduction des énergies renouvelables, l'adaptation des énergies renouvelables, les villes intelligentes. Donc, j'ai un peu parcouru le sujet sur bien des aspects. On est loin de tout ça. On n'arrive même pas à créer un petit douar où là, le milieu de l'eau, de l'électricité, des éléments de route, d'un centre médical ou cool. Ou on a le droit à la ville intelligente. Nous avons des banques qui sont tellement arriérées que nous avons la préhistoire. Donc, comment parler de ville intelligente? Les villes sont impraticables. Mais qui m'a Constantine, le véhicule ni à pied. On ne peut même pas marcher à pied. Donc, c'est des gens qui sont en train de nous faire perdre du temps. Comment ils sont en train de gagner l'argent? Ils appartiennent à des familles qui se partagent les richesses, les postes, qui transfèrent de l'argent à l'étranger. Ils sont en train de se moquer de nous, autres Algériens, en Algérie. Une ville intelligente, ça suppose déjà des moyens de communication, des télécoms de très haut niveau, une organisation qui rendent la ville agréable et très facile pour tous les citoyens. Alors, chauffe les barquets handicapés, s'il peut entrer dans une banque ou là dans une poste ou là dans... Impossible. On est loin de tout ça. Très rapidement, oui. C'est Abdelouhab, parce que je n'ai pas besoin de l'ouak. Yanni, qui te semble, Ouihia, il a également rappelé que l'Algérie s'était dotée d'un organe constitutionnel de prévention et de lutte contre la corruption, lequel concourt activement à la prise en charge de ce dossier. Yanni, qui te chauffe, tu te semble que l'Amhava, tu te dis, alhamdoulilah, yanni, la corruption, qu'dina aliha. وحنا رانا نهضروا باللي يعني راهي يوميا سي دي ديزان دي ديزان دو دوسيي دو كوربسيون كي توش دي جون يعني دي بارون دو ريجيم. لا كوربسيون سي ان دي فاكتور لي بلوز امبورتون كي اون ريدوي لو ان غران باي كوم لالجيري يعني كي فوي ا ريوسير ا 100% كي لون ديمولي اي كي فون ليبوتيكي كيما قلت لك دونك تو سكي دي. Il ne faut même pas l'écouter, ça ne sert à rien parce que Houabed il est corrompu. Il doit montrer d'abord d'où il a tous les biens, comment il est en poste depuis une éternité, quatre fois chef de gouvernement, avec tous les échecs qui lui collent à la peau.
Yani, c'est se moquer de nous, Huma, ils sont là, on a compris leur logique, ils sont là, ils conduisent un pays de force, ils font ce qu'ils veulent, ils ont la ressource, c'est les hydrocarbures. فوالا هذه هي الحكايه. يعطيك الصحه سي عبد الوهاب ثان ميرثيك اكيد شكرا غلط اسم سي عبد الوهاب زعتري قال لك كنا في قسنطينا سل سكايب ثان ميرثيك سي عبد الوهاب اولا قالوا سي حميد يعني ما تسرضا ولا قد اني غا في مسوحيه هذا شو دينا دي ثمني اللي تيقول لنا يعني دي نواقشوط دي لا موريتاني ثمني اللي لي بيز افريكا ادينا بلي ثم مرثنا توغال سي من زمان ديني دام ديا سي ان اكزومبل دو لوت كونتر لا كوربسيون ما نتولي باللي لا كوربسيون ال سي تي جينيراليزي سي هذا شو دنا نفقيون اول ثني طيد كتيني ام خيزم الحل انفا بصح سي تاز غانتي ثلاث قسل الجزائر يعني عنان ثذا مسينس سي دي كونترانت بوليتيك لا سول فاسون دو سورتير دو دان ايتا كورومبو سي دو ميتر لا جوستيس ان ان جوستيس انديبوندون يعني تشوف هذاك دي البوليتيك يفون ترافايي Quand tu as une justice indépendante, que le politique n'intervient pas, là, effectivement, tu peux lutter contre la corruption. C'est-à-dire, où est-ce que tu as des bonnes choses? Où est-ce que tu as des bonnes choses? Tu vas prendre les grands barons, on le prend, on a toutes les preuves, etc. Il lui arrive absolument rien du tout. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ويقاد ريت حرب الفساد الى قاد لي انه نس ديغيت صادير كنا نس ديغيت ترى دونك اون جي بور سي استخر ان فيت سا في بارتي دي ريزون في استخر مي اون ني اوبليجي سي اون فو فيريتابلمون سورتير دو 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 سيستيم دو كورومبي باسكو سيستيم اي كورومبي اي فو كاسي سو سيستيم و ريبارتير فير دوتر باز فير اون نوفيل ريبوبليك اون دوزيام ريبوبليك او فير ان ايتا فيدرال اي فو شونجي السيستيم et mettre surtout la justice, il faut mettre la justice indépendante, police indépendante avec la justice qui peut faire leur travail, et surtout libérer la presse. Laisser la presse faire leurs enquêtes. Parce qu'il n'y a que la presse, il n'y a que les journaux qui peuvent sortir les grandes affaires. À Cap de Guinée français, ici en France, ce n'est pas l'État qui sort les affaires, c'est la presse. La presse d'investigation. Voilà, donc... Moi, de toute façon, je suis optimiste. Il y a des solutions. Si ce gouvernement veut faire des choses, il y a des solutions. Il y a des solutions. Voilà. S'il y a une volonté politique. S'il y a une volonté politique, il y a des solutions. Très bien. Avec ça, M. Hamid Chalel, Wagida Walangaro, Thane Mertik, Mithal Eriki, Nardi Thed, Wilt Boussagin, Boudar Thegara, Thadiant Boussagi. Avec ça, Anda Mathalam, Tinigam, Tinigam, Khair de l'Hana. Avec ça, Hamid Chalel, Iginaki, لقيت البلاطو محرز بويش يقول لك انا سيف قايت تليفون مس عبد الوهاب زعتري سل سكايب سي قسنطينه تنميه ثنون السلام عليكم ورحمه الله ارثي من اللي ثني ان شاء الله